Le Grand Paris Express pour le nord de la métropole francilienne va déjà d'une part, par ces lignes 16 et 17, permettre de relier entre eux, sans passer par le centre de Paris, les pôles à la fois universitaires, d'emploi et d'habitat. Et grâce à toutes ces connexions directes au réseau RER francilien et avec les correspondances au TGV, je pense là à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, cette ligne va permettre au territoire d'avoir son attractivité renforcée pour l'accueil de l'ensemble des fonctions économiques, à la fois culturelles et sociales de la région Île-de-France. Comment va-t-elle contribuer au développement de cette partie de la plaine de France et notamment des communes qui vont bénéficier de ces nouvelles gares? Dans le nord de l'agglomération parisienne, le Grand Paris Express va avoir à la fois un effet accélérateur pour les projets de développement urbain, notamment de Saint-Denis-Pleyel et du triangle de Gonesse, hein, qui aujourd'hui rentre dans le cadre d'un grand projet qui est la création d'un quartier d'affaires et de parcs de loisirs via le projet Europa City. Et puis le Grand Paris Express, il va aussi avoir un effet déclencheur, hein, de projet, notamment par exemple pour la gare du Bourget-Aéroport, qui va donner lieu à une nouvelle centralité urbaine autour de cette gare. En quoi la concertation est-elle importante et contribue-t-elle à livrer un projet partagé? Marque de fabrique, la signature de la SGP, c'est sa démarche de concertation. On sait bien que pour mener à bien jusqu'à sa mise en service en 2030, la construction d'un tel projet ne peut se faire qu'en concertation avec l'ensemble des partenaires, à la fois locaux, acteurs économiques, pour qu'ensemble, on puisse valider les grandes étapes qui vont jalonner la vie de ces gares et du réseau.